présenter par cette chanson d'intro. Notre première invitée. Salut, c'est moi, Babas. C'est pas à toi d'entrer. Maintenant tu te casses et tu vas la chercher. Vous pourriez peut-être vous concentrer. J'ai envie de faire pipi. Je vous demande de passionner. Quoi? J'ai envie de faire pipi? Non mais c'était pour la rime. Mais t'es complètement malade, Nicole. On cherche une rime en A. Oh, pardon. Attends pour moi. Ok, pardon, je reprends. J'ai envie de faire caca. Non, c'est pas possible ça. Non, n'importe. Jérémy. Quoi? Jérémy. Pourquoi tu m'engueules? T'es malade quoi? Mais tu chantes pas toi? Non, je chante pas, c'est débile, vous avez l'air con. Non mais attends, tu pourras nous aider à trouver une rime en A? Une rime en A? En A, oui. Choix. Bon, on a que ça. Allez, musique. Il est temps d'accueillir notre invité de choix. Choix. Ah oui, choix, ouais. Veuillez tous applaudir. Hélène, je sais pas quoi. Hélène Segarra. Toujours sur moi. Bonsoir Hélène, et vraiment, vraiment bienvenue parmi nous. On est très, très heureux de vous accueillir. On est entre nous, on va bien s'occuper de vous. Enfin, je veux dire, ça fait plaisir. Et donc, c'est sans pression. De toute façon, c'est la première du Hondard Show. Donc, s'il y a quelques petits ratés, c'est pour votre gueule. C'est bien. Mais merci, Lamine. Alors, moi, je déclare avec énorme émotion. Attends, remonte le prompteur. On n'a pas le temps. Non, on s'en fout, t'avais écrit des conneries. Voilà, tu vas commencer par ici. Ça? Oui, allez, on n'a pas le temps. Bon, alors, c'est avec un immense plaisir que je déclare ouvert le premier Hondard Show. Ouais. Non, arrêtez, qu'est-ce que c'est? Arrêtez les choses, l'enfant. Non, mais alors, qu'est-ce que... Allez-vous-en tous, retournez dans les loges, allez aux toilettes, faites ce que vous voulez. Avatant le grand monsieur, là aussi ça s'en va, ça. Alors, qu'est-ce que c'est, non? Mais Orlando, qu'est-ce que tu fais là? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là, enfin, Hélène? Tu vois bien, moi je viens pour le Hondard Show. Mais le Hondard Show, personne ne sait qui c'est, monsieur Hondard, alors quoi? Non, reste pas ici, Hélène, viens, fonce. Hop, Michou. On en a encore besoin d'Hélène, alors tu vas calmer les radiateurs deux minutes, là? Calmer les radiateurs? Mon Dieu, quelle jolie expression de plombier, ça me plaît ça, hein? J'aime beaucoup ta nouvelle copine, hein? Regarde comme elle est virile en même temps, elle est méchante et en même temps elle est gentille, elle est... C'est comme... Si, c'est comme un diamant brut qu'on a envie de polir, Tu as envie, je te polis? Police, les plombiers, la police, où sont les pompiers alors, hein? Je sais bien que tu m'adores, Jérémy Ferrari, et que tu m'as dans le corps, Jérémy Ferrari. Mais tu es beaucoup trop jeune, Jérémy Ferrari, pour jouer les amoureux. Et gratte ma mandoline, mon petit Jérémy. La 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 la. Mais je vais faire de toi une star. Regarde, qu'est-ce que j'ai fait avec Hélène. Regarde un peu, c'est pas du beau travail, c'est du beau travail, ça, non? Monsieur, regarde comme c'est joli. Et tu l'aurais vu quand je l'ai rencontrée. Elle était laide, mais laide. Oh non, tu te souviens pas? Je suis pas si laide que ça, quand même. Non, c'est vrai, tu n'étais pas laide. Non. Tu étais un monstre! Un petit... Comment passer? Non. Mais ne dites pas, vous n'étiez pas là. Moi, je l'ai vu. C'était comme un petit pâté, comme ça, des cheveux frisés. Tout le monde, le pâté, retourne comme ça. C'est horrible. Alors, je dis, non, c'est pas gentil. Ah, ça veut dire que quand on est petit, gros, qu'on a aucun talent, on peut quand même faire quelque chose dans ce métier? Bien sûr, évidemment, du travail, on arrive, hein, regarde. Sandra? Qu'est-ce que...
Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, là? Ah non, non, mais attention, je suis pas le magicien d'Oz, hein, non plus. Là, c'est quoi, alors? C'est les maçons du cœur. Arrêtez, vous êtes odieux, là. Moi, j'étais pas si laide, en plus. Hein. Oh non, mais non, mais... Oh, mais vous lui avez fait de la peine, faut que je la rattrape, maintenant. Mais pourquoi? Pour la réconforter? Mais non, elle va se consoler dans la bouffe. Viens là, Sandra. Non, mais non, mais non, mais non, je t'aime, non. Je ne vais pas venir dans cette émission, personne ne connaît, c'est complètement ringard, dans les cheveux longs, les cheveux gras. Moi, assieds-toi là, je vais tout régler, assieds-toi là, je m'occupe du reste, hein, je vais régler, parce que alors là, il est où le petit Ferrari? Il est joli avec ses cheveux longs. Jérémy! Jérémy! Bonjour, 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 bonjour. Deux familles vont s'affronter sur ce plateau. L'une d'entre elles repartira avec plein de tutunes dans les popoches, tandis que l'autre quittera ce plateau avec rien et la queue entre les jambes. Voilà. Présentation des familles avec la famille Vander-Kreuzka, s'il vous plaît. Avec... Christophe, bonjour Christophe, ça va bien? Bonjour Christophe. Avec qui vous êtes venu, Christophe? Je suis né avec mon fils Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Et son mari Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Voilà, d'où venez-vous, les garçons? Nous sommes de Liège. Très bien. Disons qu'on est du sud, sud, sud de Liège. Oui, du nord de l'Afrique, en fait. Hein. Exactement. Voilà. Et alors, que faites-vous dans la vie, les garçons? Eh bien, figurez-vous que nous sommes homosexuels. Très bien, vous avez des enfants? Ah non, pas encore. Ah, pourtant, on essaye, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Oui, ça, je regarde pas. Oui, oui, oui. Ok, je vous laisse à tout à l'heure. Ils sont ch'tis, ils sont mimi. Voici la famille ch'timimati. Ch'timimère, elle est mignonne. Vanda, Vanda, vous êtes venue avec? Bonjour Christophe, d'abord je voulais vous dire, ma mère elle adorait Coucou c'est nous, hein. Ah ben c'est gentil, on lui fait un gros bisou, gros Ah bisou. Non, elle est morte. Ah ben non. Alors, vous êtes venue avec? Avec une tarte au maroilles, c'est ma gamine qui l'a fait, hein. Ah ben ça c'est gentil, ça c'est votre fille, donc elle est charmante. Ah oui. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Jessica, puis elle va sur ses 23 et demi, là. Bonjour Jessica. Bonjour, c'est moi la tarte. Oui, ça se voit. Voilà, et, puis... et ça, c'est mon grand, hein, c'est Denis, il va sur ses 25 ans. Bonjour, voilà. Denis. C'est pas Denis, c'est Denis. D'accord. Comme Denis, comme Denis Boum. Denis Boum, Denis d'accord. Boum. Alors, Nini, vous faites quoi dans la vie? Je fais le BEPS. Pardon? BEPS. Le BEPS, c'est la redoublée 11 fois, sa troisième. La redoublée, n'arrive pas. Très bien, c'est noté. Alors, Vanda et Christophe, au buzzer, s'il vous plaît, vous m'accompagnez. Non, les garçons, non, non, s'il vous plaît, non. Le papa seulement. Allez, retournez là-bas, hein. Alors, une main au-dessus du buzzer, l'autre derrière le dos. Et... au-dessus du buzzer, sinon ça se sonne, Totof. D'accord? D'accord, Christophe. Voilà, on va d'abord rappeler les règles du jeu. Applaudissements pour Hélène, s'il vous plaît. Ça va, mon petit bouchon? Ça va très bien, Christophe. Ça va bien? Oui. Bon, est-ce que vous pouvez nous rappeler les règles du jeu, mon petit bouchon? Eh bien, il faut répondre aux questions. C'est bien, bravo, mon petit bouchon. Elle est charmante, hein? Elle est charmante. Ouais, elle est carrément bien bonne. Elle est bonne. Ah, je crois que vous avez un ticket, Hélène. Ah non, 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 je crois pas du tout que je vais le composter, là. Oui, ben, je vous comprends, oui. Alors, c'est parti, vous êtes prêts, vous deux? Ouais. Alors, première question. Que peut-on trouver dans une salle de bain? Des poils! Des poils! Des poils! Des poils, parce que quand la Jessica elle fait son maillot, il y en a partout des poils, hein! C'est vrai, c'est vrai. Et wow, oui! Des poils! Bravo! Alors! C'est Mimi! C'est bien, c'est bien, on se calme, on se calme. Dany, quelle est votre réponse? Oh, j'en sais rien, moi j'y vais jamais dans la salle de bain, moi! Oui. Je sais même pas où c'est que c'est. Bah ça mais, se sent. Mais si, c'est où c'est que c'est là où il y a le bidet. N'importe quoi, ça c'est le cabinet. Ah, bah c'est trop tard. Ça a sonné. C'est... Oh, oui, va, Nini, revenez là, c'est ici que ça se passe. Voilà, les garçons, concertez-vous, ça va être à vous dans deux secondes. Jessica. Alors moi, je...
Alors moi j'hésite entre deux réponses. Il y a deux réponses, j'hésite. Il y a le canard vibrant ou le lubrifiant. Il va falloir faire un choix. Cela dit, les deux sont compatibles. Dans ce cas-là, je vais dire le canard. C'est pour ça, hein. Ça a alors maintenant, ça va, sonné, non, les garçons, libérez vos langues, on va en avoir besoin pour... J'ai besoin de votre réponse, les garçons. Un bonnet de douche. Un bonnet de... Oh, c'est non. Ça n'arrête pas. Des bigoudis. C'est non. Totof. Où est-ce qu'il... Je suis là. C'est là que ça se passe, Totof. Hein? Votre réponse, Totof. De l'eau chaude. De l'eau chaude, pourquoi pas. On regarde. Et oui. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, les garçons, s'il vous plaît. On a perdu, hein. On va vérifier maintenant la top réponse qu'il nous manque. Que trouve-t-on dans la salle de bain des Français? Du moisi et des champignons. Bon appétit si vous êtes à table. Oh là là, Christophe. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh là, votre chien, il a bouffé toute la tarte au maroilles, là. Oh notre Dieu, je crois qu'il est tout mort. C'est pas grave, c'est un figurant. C'est bientôt fini, Hélène, mon petit bouchon, venez me rejoindre. Venez me rejoindre, mon petit bouchon. On retrouve nos deux familles demain. Ah, et puis, n'oubliez pas, si vous sortez Popol, n'oubliez pas de lui mettre un petit bonnet. Salut, bonne soirée. Merci. Au revoir, mon petit bouchon. Qu'est-ce que tu foutais, Babas? Je suis désolé, Arnaud. C'est mon pote Arnaud, ça fait plaisir de te voir. Mais ouais, non, j'ai pas le temps. Dis, mon Babas, ouais. tu as bien compris ce que je t'ai dit au téléphone. Ah ouais, hein. À fond. Hein. Donc moi, avant la fin de l'émission, Hélène Segarra, il faut que je la pécho. Ah bah tu m'étonnes. Ouais. On est d'accord, d'accord. Attends, je te comprends. Ouais, c'est moi qui parle. Ouais, vas-y. Donc, elle est fan de voyance. Ah ouais. Je vais lui lire son avenir dans les cartes. Elle t'a vu. Ouais. Voilà. Est-ce que tu m'as apporté mes cartes? Oui. Alors, regarde ça, Arnaud. 5 cartes vitales. 2 cartes d'identité, 3 cartes routières et une carte de restaurant. Ouais. De la voyance, Babas, de la carte au Nancy. Bah, elle y est, la carte de Nancy. Tu vas voir, il était un foutre, fous-moi le corps. Ah, mais t'es vraiment un tarot, mais t'es tarot. Me voir? Oui, voilà, Hélène. Je voulais vous voir parce que voilà, j'ai appris que vous aimiez la cartomancie. Ah oui, j'adore ça. Et j'aimerais vous lire un petit peu. C'est dans quoi les... ça? Ça, c'est les. C'est asseyez-vous. C'est rien, ça, Hélène. C'est ma petite tambouille. Hein? Alors, je vais m'installer et puis on va commencer. D'accord? Super. Alors, Hélène. Moi, tout d'abord, j'aimerais vous poser une question, Hélène. Quel est votre prénom? Hélène? Non, c'est parce que les cartes me parlent, Hélène, hein, et là, les cartes me disent Nancy. Ça vous embête si je vous appelle Nancy, Hélène? Non. Alors, Nancy, Hélène... Donc, Nancy et Hélène, donc vous êtes née. Et cette naissance donc appartient à tout ce qui est relatif au passé. Donc. Et Nancy et Hélène, si vous me le permettez, j'ai un tout petit SMS à envoyer pendant que je lis dans les cartes. Et donc, tout ce qui est donc, si veut se connaître, hein. Relatif au... Au passé, donc, n'a pas de prise sur. Ah oui. Non, excusez-moi, hein, parce que là, n'a pas de prise donc sur le présent que vous vivez,
qui, d'après les cartes, montre que, quand j'ai dit montre, c'est démontre, que... démontre... Ah, la petite pute. Pardon ? Non, 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 non. Je touche au but, Nancy. Je touche au but. Nancy. Hélène, vous avez commencé votre carrière avec Orlando, c'est ça, hein ? Super, il suffit de lire ma bio, tout le monde sait ça. Oui, mais hein, ce que les gens ne savent pas sur Orlando, c'est que Orlando, quand on le lit à l'envers, ça fait presque Orlando, ça fait hein. Ok, on va arrêter toute cette merde. Vous me coupez les caméras, là. Vous coupez tout. Excusez-moi, Hélène. Voilà, en fait, je sais pas lire dans les cartes. Voilà. Ah, ben ouais, voilà. Je sais pas lire dans les cartes. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Et ce que je voulais vous dire, Hélène, et là, je vais redevenir un tout petit peu plus sérieux, c'est que... je voulais vous séduire, en fait, avec ce numéro de cartomancie, parce que... Voilà, Hélène, je vous trouve charmante et je tenais à vous dire. C'est mignon, ouais. C'est super mignon. Attendez, j'ai un texto, excusez-moi. Un texto, ouais. Je reste. Je dois y aller. Je suis désolée. Hélène. Excusez-moi, je dois filer. Hélène. Nous sommes en 732 après Jésus-Christ. Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers. Stop ! Attendez, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Il y a un problème ou quoi ? Ça dépend. Vous venez d'où ? Vous allez où ? Mais attendez, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous êtes de la police ou quoi ? Tout à fait ! Police municipale, officier Martel, Charles Martel. Et je suis là pour dire qui c'est qui peut rentrer à Poitiers et qui c'est qui peut pas. Et toi, tu peux pas. Mais pourquoi je peux pas? Bah parce que t'es... Parce que j'ai des baskets. Non, parce que t'es... Quoi? Je peux pas rentrer parce que je suis un arabe? Bah ouais. Mais attendez, c'est de la justice. Bah ouais. Va falloir t'habituer, mon petit bonhomme. Ça va être comme ça pendant 1200 ans. Pendant 1200 ans? Mais comment vous savez ça, vous? Eh ben, à Poitiers, il y a une colline où c'est qu'on peut voir l'avenir. Ouais, elle s'appelle comment? Le Futuroscope. Ouais. Bon, allez, là. Allez. Quoi? Contrôle d'identité, les mains sur le museau, tu te dépêches, allez. Mais attendez, mais calmez-vous, je suis en règle. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Est-ce que t'as des stupéfiants sur toi? Mais jamais de la vie, monsieur, attendez. Moi bien, t'as intérêt à me dire la vérité, sinon je te fais une fouille au corps. Oh, mais j'ai peut-être un truc, finalement. En plus, tu fais ton malin. Allez, prénom. Abderrahman Souleyman Naïm Sidi Mohamed. Bon, tu sais quoi, je vais t'appeler Patrick. Allez, tu te dépêches, carte d'identité. Ah, allez, carte d'identité. C'est bon, là. Mais y a pas de photo. Charlie. Regarde. Ouais. Y a pas de photo. Ah ouais, je vois, ouais. Ouais. Attendez, mais qu'est-ce que vous faites, là? Bah, je te dessine. J'ai ton portrait rebeu. Bon là, évidemment, là c'est caricatural, mais bon... Quoi? C'est une caricature? Attention, vous allez avoir des problèmes, monsieur Charlie. C'est toi qui vas avoir des problèmes. Est-ce que t'as le gilet jaune de sécurité obligatoire? Bien sûr que je l'ai, monsieur, vous croyez quoi? Je rigole pas avec la sécurité, regardez. Bon. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu veux venir à Poitiers? En fait, j'organise un mariage, tu vois. On est une centaine à venir, que des Arabes, il y aura plein de trucs. Hop. Négatif. Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a plusieurs que ça pose problème.
Alors écoute-moi bien. Écoute-moi bien, mon petit sarrasin. Tu vas rentrer chez toi et moi, je vais garder ton véhicule. Non mais attendez, monsieur, je comprends que vous faites votre métier, mais moi, je suis en règle, j'ai rien fait du tout. J'essaie juste de vous expliquer... Oh que... Tu me cries pas dessus. Ok. En plus, j'ai pas que ça à faire. J'ai un rendez-vous avec une demoiselle. Une comédienne, je sais pas si tu connais. Elle s'appelle Julie Lescaut. Jambon? Non, non, la comédienne. Ah, elle parle bien, hein. Elle dit pas que des conneries. Hein. Ah, je connais, ouais. C'est Julie Lescaut, vous parlez. Ouais. Elle est bien. Ouais. C'est une comédienne. Ouais. Elle est rouquine. Ouais. Je peux rentrer. Non. J'ai dit pas les Arabes, que l'Europe. Alors tu dégages. C'est bon, j'y vais. Eh, oui. Jolie et intelligente. Qui? Bah, Julie Lescaut. Ah oui, ouais. S'il vous plaît, monsieur. Poitiers, s'il vous plaît. Allez-y, madame. Merci, monsieur, merci. Ah, attendez, attendez, attendez. Que je vous vois pas en train de nettoyer un cheval au feu rouge, hein. Ok. Arra, sir, agi. Arra. Et maintenant, une info vraie. Dernièrement, il y a des rats, les petites souris, qui ont mangé des OGM. Et figurez-vous que ça leur a fait des bouboules. C'est rigolo. Non, non, c'est pas rigolo, puisque c'est des tumeurs. Et tumeurs, et mais tumeurs... à quand, à quelle heure, on ne sait pas. Toutes ces petites questions qu'on se pose, eh bien, voyons-les dès maintenant dans notre émission Conflit de canards. Et bienvenue dans Conflit de canards. Notre invité du jour est un des rats qui a été contaminé par du maïs transgénique. Nous accueillons Julie. Alors Julie, bonjour. Bonjour. Oh, visiblement vous n'êtes pas un rat de laboratoire. Non, non, moi j'étais petit rat à l'Opéra de Paris. Enfin, j'étais... Parce qu'avec ce qui s'est passé... Mais qu'est-ce qu'il s'est passé, Julie? Il m'a fait manger son maïs transgénique, alors voilà, j'ai des boules qui me sont poussées. Je suis devenu un homme, salaud! Mais qui est donc ce salaud, Julie? Mon mari! C'est lui qui m'a empoisonné! Votre mari? Mais non, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir en parler avec lui puisqu'il est là! Laissez-moi, je veux pas le voir, je veux pas le voir. Qu'est-ce qui se passe? Alors dites-moi, oui, j'en vais, oui, dites-moi, oui, qu'est-ce qui se passe, oui. J'aimerais bien savoir, votre femme vous accuse de l'avoir honteusement empoisonné avec des OGM. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Même pas vrai. Quoi? Bah vas-y, vas-y, dis tout de suite que je suis une menteuse, allez, vas-y, vas-y. Une réaction dans le public, madame? Oui, je voudrais dire que je connais très bien monsieur Jean Vert et qu'il n'y a pas d'OGM dans son maïs. Alors, madame, si vous avez été contaminée, c'est parce que sûrement vous avez été croquée dans l'épi d'un autre homme. Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Mais alors, oui, dites-moi, il paraît que vous avez croqué dans l'épi d'un autre homme, c'est vrai, oui ou non? Répondez! Ouais! Je suis allé voir ailleurs. Je suis allé voir un homme qui a un maïs bien croquant, bien dur, comme je les aime. Ça te ferait peut-être pas de mal de prendre des OGM à toi. C'est pas un épi que t'as. C'est un cornichon. Espèce de salope.
Et donc, qui est cet homme? Quelqu'un qui comprend ma sensibilité. C'est ton frère. C'est votre frère? Mais ne vous inquiétez pas, car il est là! Je vais partir avec ton frère. J'en ai marre d'être avec un minable qui fait des pubs de merde à la télé. Je préfère partir avec un gros con qui fait des films de merde à Hollywood. Je vais te péter la gueule. Alors, comme nous pouvons le voir, ce qui est important en fait dans le couple, c'est avant tout la communication. Oui. Donc j'ai envie de dire, eh ben, à la semaine prochaine, et puis surtout, n'oubliez pas, tant qu'il y a des canards, il y aura du conflit. Dis-moi. Dis-moi, mon petit, mon petit diamant, je voulais te dire. Dis-moi, mon petit diamant, je veux te parler un chose. C'est gênant. Je veux te dire. Qu'est-ce que c'est? J'ai la main sur le truc. C'est rien, c'est la vie, ça. Hein, Ah, mais je préfère la mort, moi, s'il vous plaît. Là. Oui, alors, dis-moi, tu t'appelles Ferrari, hein? Oui. Ça veut dire que tu as un gros moteur dans une belle carrosserie, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein? C'est gênant, hein? Vous êtes vachement collant, quand même. Je suis cambré comme le cheval de Ferrari. Mais les gens, ils se cambrent dans l'autre sens, normalement. Tu veux que je me cambre dans l'autre sens? Non, c'est pas. Dis-moi, Jérémy, pourquoi la petite grosse, là? Oui. Pourquoi vous ne lui faites pas faire belle toute nue? Mais ils n'en veulent pas. Mais pourquoi? Mais le principe de belle toute nue, c'est que toute nue, il faut être... Ah là là, oui. Eh oui, il faut être belle. C'est ça, c'est ça. Alors... J'ai trouvé autre chose. Il propose un rôle de sanglier dans le prochain Astérix, mais... Il faut bien débuter sa carrière, hein? De toute façon, ils me disent qu'elle est trop poilue pour le rôle. Ils n'en veulent pas, de toute manière. Ah là oui, faut couper. Parce alors. Non mais les mecs, ça va là. Non mais ça va, 5 minutes, arrêtez avec ça. Moi je m'adore, hein, je me trouve hyper belle, je vais vous dire. Dans la vraie vie, dans la nature, les plus beaux paysages de la Terre, ils sont vallonnés comme moi, voilà, des creux, des bosses. Je me trouve hyper belle. C'est clair pour vous, ça? Yes. Allez, va courir. Elle est rigolote. Elle est boulotte, mais elle est rigolote. Oh, j'ai une vision, attends. Pourquoi on lui fait pas faire l'amour est dans le pré? Non, mais ça va, mais j'en ai pas besoin de vos cutéreux, les mecs. Je suis amoureuse et il y a un mec qui me kiffe. Mon mec, il m'adore. Il arrête pas de me dire que je suis magnifique toute la journée. Elle est vraiment rigolote. Elle est plus boulotte que rigolote. Ma chérie. Allez, va courir. Ma chérie. Ah, le voilà. Ah, bah, oui. Ma chérie. Viens, mon amour. Tu m'étonnes qu'il la trouve à son goût. Mon amour, oui. Dis-leur comment tu me trouves belle. Mais oui, tu es magnifique, ma chérie. Alors elle a un manchot qui aime bien te ploter aussi. Tu es belle, ma chérie. Moi, mais oui, tu es très belle. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Handicap, Andy Pacap. Et nous recevons aujourd'hui Philippe Croizon sous nos applaudissements. Alors, Philippe, je pense que la plupart des gens ici vous connaissent, mais peut-être certains de nos téléspectateurs un petit peu incultes, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, peut-être leur rappeler un petit peu pourquoi vous êtes si connus, pourquoi on a beaucoup entendu parler de vous ces temps-ci.
Eh bien, Jérémy, avec des prothèses spéciales, j'ai traversé la Manche à la nage. Ensuite, on a relié avec mon camarade les 5 continents à la nage, symboliquement. On est parti en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on a relié l'Océanie à l'Asie. Ensuite, on a fait la Mer Rouge, Égypte-Jordanie, le détroit de Gibraltar, Europe-Afrique. Et on a terminé par le plus dur des plus durs, le détroit de Bering, entre la Sibérie et l'Alaska. Voilà, c'était une belle aventure, c'était vraiment chouette. En tout cas, C'est pas la modestie qui vous étouffe, Philippe. Alors, Philippe, je pense que, bon voilà, il y a eu pas mal de questions que vous ont été posées, mais moi, une particulièrement m'a un petit peu intrigué. Est-ce que vous n'avez pas eu peur des attaques de requins, d'orques Mais j'ai été attaqué. Ah bon? Mais oui, quand je suis parti, j'étais entier. Ah non, 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 ah non, ah non, 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 s'il vous plaît, non, Philippe, alors oui, non, alors non. Sur ce plateau, je vais vous demander de ne pas faire preuve d'humour un petit peu comme ça. Ah. Je vous rappelle qu'il y a des valides qui nous regardent, qui pourraient être extrêmement choqués par ce genre de propos. Ah oui, pardon, oui. Non, désolé, non. Pardon, voilà, pardon, alors un petit peu, voilà. Alors Philippe, connaissez-vous l'expression « pas de bras, pas de chocolat », Philippe? Oui, un petit peu quand même. Très bien, est-ce que vous êtes prêt à essayer de nous prouver l'inverse, Philippe? Oui, je vais essayer, oui, promis. Alors Philippe, pas de bras, pas de chocolat, handicap ou handipacap? Handicap. Handicap. Alors, je vous rappelle, Philippe, que vous jouez pour une association ce soir. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Eh bien, je vais jouer pour l'association Handicap 2000, une association qui est dans le département de la Vienne et qui aide les personnes handicapées à retrouver une autonomie. Super, Philippe, croisons les doigts. Non, non, c'est pourri. Pardon, non, pardon. Excusez-moi, non, pardon. Pardon, toutes mes excuses. Là, vraiment, non, c'est vraiment pas fait exprès. Bon, en même temps, je suppose que ça arrive souvent dans votre entourage, des petites bourdes dans ce sens. Non, jamais, non. Allez, on va nous apporter tout de suite le chocolat, s'il vous plaît. On applaudit Nicole. Alors, Nicole, le chocolat. Ah, en tout cas, on est sûr que quand on a des bras, on a du chocolat. Ne riez pas, c'est blague. Ah non, oui, non, vrai, non, non, ça va choquer les valides. Non, j'avais oublié. Oui, pardon, voilà, non, restez concentrés, Philippe. Allez. Et je vous rappelle que vous jouez pour une association. Oui. Philippe, on est tous avec vous. Oui. On est tous avec vous, on vous encourage, Philippe. Philippe, croisons, pas de bras, pas de chocolat. Handicap, handipacap. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, Philippe? Je sais pas, Jérémy, j'étais à deux doigts de l'attraper. Mais oui. Oh non, pardon. Non. Oh, nous sommes très tristes, pour cette association. Non, on doit pas rire. On doit pas rire. Non, pas allez, rire. Allez, restez calme. Allez, non, Philippe, non, pardon, ne soyez pas trop triste, d'ailleurs, vous marrez. Ne soyez pas trop triste, tout de suite votre lot de consolation, Philippe. Handicap Handipacap est très heureux de vous offrir cette magnifique montre sport, idéale pour vos balades en VTT. Vous êtes content, Philippe? Ouais. Et tout ça dans un joli panier garni. Écoutez, Philippe, je pense que vous... Voilà, allez, on va vous ramettre ça dans votre loge. À tout à l'heure. Merci, Nicole, on applaudit. Eh bien, Philippe, pardon, nous venons de démontrer que pas de bras, pas de chocolat, mais pas de bras, une montre suisse. Handicap, handipacap, c'est un jour un peu salaud. Handicap, handipacap, oui, mais c'est rigolo. Bonjour, bienvenue dans Écolo-Chic. Bonjour, Prune. Attends, Myrtille, ça fait 4 heures que je suis sur ton canapé. Pourquoi tu me dis bonjour? Prune, peux-tu nous parler de l'effet de serre? Non. Regarde au-dessus de ta tête. Dis-moi, quel effet ça t'a fait? Ah, le fait super peur, quoi. Ah, mais le coup de chaud, quoi. Voilà. L'effet de serre, c'est au-dessus de la tête et ça fait chaud. Ah, ouais. Ah, c'est chaud. C'est chaud comme la fraise.
C'est pas chaud, les fraises. Bah si, c'est rouge. Ce qui est rouge, c'est chaud. Eh mais grave! Oh mais les pauvres fraises, elles ont attrapé l'effet de serre, quoi! Ah, t'as raison! Faut absolument les refroidir! Ouais. Faut faire un bon milkshake! Moi, je crois surtout qu'il faut se débarrasser du cerf. Pour faire un milkshake à la fraise, il vous faut des fraises, du milk et un shake. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le choc! C'est super dangereux, l'effet de serre. Il a fait un énorme accident de voiture, quoi. Et encore, ici, on n'est qu'au 5e étage. Normalement, l'effet de serre, ça peut tomber du ciel. Attends, mais tu veux dire qu'il y a des serres dans le ciel? Bah ouais, c'est ceux du Père Noël. Ah, mais grave, parce que le Père Noël, il est rouge. Alors il est chaud, parce qu'il vit dans le froid du Grand Nord. Alors quand les cerfs, ils tombent du ciel sur la terre, ça fait chaud sur nous. En fait, mais c'est ça l'effet de serre. Exactement. Oh, choc, le choc, le choc, le choc, le... Surtout pas! Qu'est-ce qui se passe? Ah! Je crois que t'as attrapé l'effet de serre! Ah merde! Ah, ça brûle! Ça bouge brûle! Pas, bouge ça pas, brûle! Bouge ça pas, brûle! Bouge pas, ah, bouge le pas. Choc! Ça va mieux, Prune? Ouais. C'est bien. Ah, j'ai eu un petit peu chaud. Voilà. Pour bien lutter contre l'effet de serre, prenez un bon milkshake à la fraise. Dans la gueule. À bientôt pour un nouvel épisode d'Écologique. Faux-vrai, c'est aujourd'hui la sortie du nouveau Guinness des records, du championnat de lancer de dents carrier au concours du plus grand nombre de personnes déguisées en dindes simultanément. On y trouve des records très étonnants. Alors si vous aussi vous avez envie de faire homologuer votre record, n'hésitez pas et déposez d'ores et déjà votre candidature au www.onariend'autreabranler.com. Oh, mais tout de suite, notre envoyé spécial, Jean-Gérard, en direct des coulisses du concours. Jean-Gérard, bonjour. Oui, bonjour, Jean-Géraldine. Bonjour, bonjour. Je suis avec un premier recordman, hein. Il s'agit de Ludovic. Ludovic, bonjour. Bonjour. Voilà, pourquoi pas. Alors, Ludovic, tout de suite, une première question, hein. Vous vous appelez Ludovic, alors que, bon, visiblement, vous avez une tête, qu'est-ce que vous avez changé de nom? Ah non, j'ai changé de tête. Ah d'accord. Ouh là là. Ah oui, accident de voiture. Vous avez mangé trop de couscous. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors disons que j'ai subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique. Ah d'accord. Vous nous dites en fait que vous êtes transformé en arabe volontairement. Tout à fait. Mais vous êtes con, quoi, en fait. Alors, on me dit en régie que nous avons... Oui, voilà, nous avons un portrait de vous avec votre ancienne tête, hein, qui me... Voilà, c'était... C'était déjà n'importe quoi, mais... Mais alors pourquoi avoir choisi une tête de con, une tête d'arabe? Pourquoi?
Bah, disons, c'est très simple. En fait, grâce à ce nouveau visage, j'ai battu un record. Ah bon ? Oui, figurez-vous que grâce à ce nouveau visage, j'ai battu le record du nombre de refus à un entretien d'embauche. Oh, oui, grâce à votre tête d'arbre, il fallait y penser, il fallait y penser, oui. Vous êtes maintenant au chômage, hein, et alors, on me dit en régie que dalle. Alors, donc au chômage, si vous avez peut-être un message à faire passer, la caméra est devant vous, on peut peut-être vous venir en aide, nous serions vraiment, vraiment ravis de vous aider. Bah, figurez-vous que je suis technicien dans l'audiovisuel, et justement, j'aimerais bosser avec vous et dans votre... Eh bien, merci, Ludovic merci beaucoup, merci, je crois. Oui, je crois que le message est passé. Alors, je vais accueillir, voilà, plus loin, je vais accueillir tout de suite, vraiment, dégager, accueillir tout de suite un nouveau recordman. Il s'agit de l'homme le plus petit du monde. Eh bien, je vais rendre l'antenne. Ah, merci. À vous les studios. Ça parce qu'à cause des deux autres là qui arrêtent pas de me dire qu'il faut que je maigrisse, alors du coup vous allez m'aider, tiens. Qu'est-ce prends ça. Bah ben, c'est un truc pour maigrir la masse graisseuse. Attends, la notice il y a marqué appliquer sur les zones graisseuses et mettre sous cellophane pendant 2 heures. Allez, c'est bon, vas-y, allez. Je sais pas si ça va aller. Hein. Allez, tartine, vas-y, ça et pas peur. Hein. Vas-y. Ah bah ben, ça sent l'algue. Hein. Ah bah ben, vas-y, Hélène, hein, vas-y. Non, mais là, faut mettre, vas-y. Vas-y, mets, tartine, vas-y. Bon, bah, okay, tiens, alors. Voilà, vas-y. Tiens, voilà. Là, tu peux... Tu veux maigrir des... Du cul, bah, ouais, tiens, vas-y. Ok. C'est les bras, un peu, il y a du gras aussi. Oui, là, elle en a la tranche de gigot, là. Vas-y, là. Voilà, c'est bon. Vas-y, tiens, okay. Maintenant. Toi, attends, le bide. Ouais, vas-y. Tu crois que ça va suffire, le coup, ouais. Ah, bah, allez, là, hein. Vas-y, attends, tiens, tiens, s'il te plaît, Sandra. Tiens. Ça va. Double menton, attends, double menton. Voilà, bouge pas, vas-y. Bouge pas, pardon, Hélène, vas-y, bouge pas. Tiens. Voilà. Attends, mais, je sais pas si ça va suffire. Tu fais combien de circonférences, Sandra? Allez, roule. Oh, ça va. Vas-y, enroule-toi, vas-y. Voilà, comme ça. Attends, vas-y. Ouais, voilà, c'est bon. Eh ben voilà, ben tu restes comme ça, là. Oh, tu vas rester des petites heures, hein. Voilà, en fait, c'est comme un rôti de porc. Un petit rôti. C'est un rôti de porc, j'ai la même cuisson. À tout à l'heure, hein. Merci les filles, c'est sympa. À bisous. Hey, j'ai fait un truc pour maigrir, ça marche, non? Ça se voit déjà, non? Moi, j'ai jamais vu un rouleau de printemps aussi gros, hein? Non, mais... Ah, mon petit... Non, mais arrêtez! Oh, les mecs! Nous, ça va pas. Nous, si on est là ce soir, c'est pour vous parler de la souffrance des éléphants d'Asie. Alors ce soir, je vous demande d'accueillir une personne qui a toujours soutenu les éléphants. Mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour Hélène Ségara. Du bruit. Vas-y, DJ Babar, balance de son loup. Dis-la. Il est chassé toute la journée. L'éléphant d'Asie. Persécuté par des braconniers. L'éléphant d'Asie. Il doit retrouver sa liberté. L'éléphant d'Asie. Son appartement, c'est la forêt. L'éléphant d'Asie. Ok, gros, j'y vais. Attention, ouais. C'est pas vraiment marrant. Déforestation, oppression, défense qui rapporte des millions.
Il est venu le temps des éléphants. Ils sont sans défense dans ce nouveau millénaire. Oh, attends. Babas. Oh, Babas, qu'est-ce que tu fais là? C'est Notre-Dame de Paris, je suis Quasimodo. Ah, il est super ton costume, hein. Il est vraiment super. Hein? Super son costume. Ah non, il est pas en costume, il est comme ça en fait, dans la vraie vie. Bon, allez, Babas, tu t'es trompé là, laisse-nous travailler, on est en plein sketch, ok? N'oublie pas, un éléphant, ça trompe tendrement. Ok. Okay. Vas-y, balance ta truie, DJ! Vas-y, allez! Ouais. De te goinfrer un peu. Ça te plaît? Ben oui, t'es très très belle. Merci. Oula. Ça valait le coup d'être méchant, dis donc, hein. Change les émissions avec Jean-Bé Guigui, hein. Ça va bien? Ça te guérit, non? Hein? Alors, dis-moi, Jérémy, tu fais un régime en ce moment? Bon, non, je crois que j'ai pas trop besoin. Ah. C'est vrai que tu es tellement mignon. Tellement mignon qu'on s'attacherait à toi. Tellement mignon qu'on a presque envie de t'attacher. Ah oui, ça fait mal, là. Ah oui, oui, ça fait mal. Et encore, tu n'as rien vu. Oh là là, c'est Jérémy. C'est rigolo, ça. Oui, c'est drôle. Ah oui, attention. C'est mais dis-moi, Jérémy, ouais. Tu dis que tu ne fais pas de régime, mais donc ouais. Tu aimes bien les petites douceurs, les petites choses comme, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas, moi, par Arnaud. Exemple, la chantilly. Arnaud Arnaud oui, 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 tu aimes bien de la chantilly. Thank you.
Oh, pardon. Pardon. T'as de la chance que j'ai pas de main, connard. Alors toi, t'es un super mec. Il était beau et très marrant. C'était mon tout petit diamant. Monsieur Ferrari, j'ai mis de l'ordre dans ses cheveux, un peu de noir sur ses yeux. Jérémy Ferrari, un doux deux, mon diamant d'amour. Attends, c'est pas nous deux, c'est nous quatre. C'était le On Dark Show avec Hélène Segarra. On se retrouve la semaine prochaine. Dès maintenant, pour plus d'infos et pour réagir sur le forum, rendez-vous sur francedeux.fr.